Salut à tous et à toutes, c'est Dianord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur la map Raid Remake, donc Empire de Black Ops 3. Et donc je vous présente un gameplay au sniper Locus et donc moi j'espère que vous allez aimer la vidéo. Alors je vais vous présenter le gameplay, là je suis pas en live, donc j'ai fait ce gameplay là, c'est ma première partie sur Raid en multijoueur. Il faut savoir j'ai déjà joué en partie personnalisée parce que j'étais là à minuit exact quand le DLC est sorti, quand j'ai vu le 0-0-0 là, quand c'était fini et que ça, voilà, le DLC est sorti. Moi j'étais là et donc j'ai pu jouer, mais les serveurs PlayStation étaient, voilà, n'étaient pas là, voilà. Donc j'ai pas pu jouer en multijoueur à ce moment-là, mais donc j'ai joué en partie personnalisée pour voir un peu avec des bots, voilà. Et donc là, c'est pas une partie avec des bots, là c'est la première partie multijoueur sur Raid que j'ai fait. Et donc ça va pas être la meilleure non plus, voilà, ça va pas être le gameplay de ouf non plus, parce que premièrement je suis une merde au sniper, hein, ça j'imagine que c'est pas un secret pour vous. Et deuxièmement parce que j'ai pas mes lunettes en fait. Ce qui se passe c'est que mes lunettes je devais les apporter pour les changer. Et donc j'ai dû prendre mes anciennes. Ça fait que je voyais pas très bien, voilà. Donc j'ai quand même fait ça, j'ai essayé de prendre la première partie vraiment pour que vous voyez. Et donc je voulais prendre au sniper Locus parce que le Locus est comme un peu le balista de Black Ops 2. Et donc puisqu'on est sur Raid Remake Black Ops 2, voilà, je me suis dit pourquoi pas faire voilà comme si on était au balista sur Raid, on va faire un voilà au Locus de Black Ops 3 sur Empire de Black Ops 3. Donc je me suis dit on va faire un petit truc comme ça. Et donc comme vous pouvez le voir aussi dans le titre, sans les mouvements de Black Ops 3, donc sans les jumps, sans les jetpacks, voilà, sans le wall run, sans aller dans l'eau et nager, sans voilà les slides. Donc j'ai essayé de le faire. Bon, par contre, il y a quelques fois, deux ou trois fois, je pense que voilà, c'était un réflexe, j'ai utilisé ces choses-là. Mais sinon, voilà, j'ai essayé de faire un gameplay comme si on était sur Black Ops 2 en fait. Vraiment comme si on était sur Black Ops 2. Comme si on était au balista. Donc j'espère que vous allez aimer ça. Par contre voilà, aller faire un kill au snipe. Mais vraiment je suis pas le meilleur, hein, je suis pas le meilleur. Mais j'ai quand même mis quelques petits kills comme ça, voilà. Et donc vraiment j'espère que vous allez aimer ce gameplay. Donc déjà je vais vous donner mon impression sur Raid. C'est la meilleure map du DLC, hein. On pose pas de questions, c'est la meilleure map du DLC. Les joueurs Xbox One, vous devriez pleurer ce un mois d'attente parce que ça vaut la peine. Cette map, vraiment, non, c'est une des meilleures maps du jeu, maintenant, je vous le dis. À voir encore, j'ai pas vraiment joué beaucoup de parties sur cette map. À voir si c'est ma map préférée. Pour l'instant, ma map préférée, c'est Newtown. Mais, vraiment, on verra si ça va devenir ma map préférée du jeu, mais je vous dis, meilleure map de ce DLC. Après, je vais vous présenter aussi la map Berserk. Que je vais présenter peut-être un peu plus tard dans la journée. Et après je vais pas vous présenter les deux autres maps. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop ces maps là. C'est pas des maps que voilà vous allez vraiment apprécier. C'est pas des maps que je trouve qui sont vraiment importantes à présenter, puisque c'est les deux maps que je laisse de côté. C'est les deux maps qui sont pas trop voilà qui sont pas trop aimées. Et aussi parce que quand j'arrivais sur la playlist de Descent, donc du DLC 3, c'était soit Berserk ou soit Empire. Et donc il n'y avait pas Rumble ou c'est quoi encore l'autre map, Cryogen. Il n'y avait pas ces deux autres maps là. Dès qu'il y avait Empire ou Berserk, les gens choisissaient ces maps là. Donc je pouvais même pas jouer sur ces deux autres maps là. Donc pour vous dire que Empire et Berserk sont les préférés de ce DLC. Et qu'on peut presque même pas jouer aux autres maps. Donc voilà, juste pour vous dire comme ça. Et donc c'est pour ça que je pouvais pas et que je voulais pas non plus faire de gameplay sur ces deux maps là. Mais par contre, le gameplay zombie, ça c'est sûr, je vais vous le faire. Bah je l'ai déjà enregistré. Il faut juste que voilà je fasse voilà un commentaire, voilà, comme je le fais en ce moment, non en live. Et je vais vous donner aussi mon impression sur la map zombie, mais juste comme ça, hein. Meilleur map zombie de Black Ops 3 pour l'instant. Hein. Juste comme ça je vous le dis, ça c'est sûr. Alors voilà. Donc voici Raid en gameplay au Locus. Je vais aussi prendre quelques autres armes aussi, il me semble. Je vais prendre d'autres armes. Ouais, je vais prendre d'autres armes aussi. Je vais pas seulement prendre, voilà. Je vais prendre peut-être la M8, il me semble. Après, vous voyez, je suis clairement pas le meilleur au snipe. Hein. Je vais pas aussi utiliser spécialiste. J'utilise pas le spécialiste. J'utilise pas Firebreak, voilà. Je vais pas l'utiliser. Et donc voilà, donc on est en domination aussi, j'imagine vous l'avez remarqué. Et voilà le petit kill,
pratiqué, voilà. Là, je vais mourir, là, il me semble. Ouais, je suis mort. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, hein, que vous l'avez aimée. Et donc, moi, je vous laisse sur le gameplay. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne et aussi de liker la vidéo pour voir l'autre vidéo qui va arriver un peu plus tard et aussi la map zombie. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!